Bonjour, je suis Philippe Olivier. Je vais faire ici une démonstration de l'utilisation de Corpus dans Logiloop. Corpus, c'est un outil qui s'utilise en accompagnement des inserts loopers. Donc, je charge 4 loopers qui sont en 4 groupes. Et pour l'instant, on sait que l'on peut piloter ces loopers en faisant règle dans l'un ou l'autre ou en passant par les groupes de loopers. Donc ici, par exemple, je peux dire que c'est le groupe 1 qui est piloté lorsque je fais record dans les commandes principales. Je peux dire que ce sera le groupe 2. Voilà. Alors, si je reviens en main, ça veut dire que là, c'est le looper principal qui est piloté. Ici, on a choisi le groupe 1 pour ce looper-ci qui est en FX2. Pour celui qui est en FX3, on a choisi le groupe 2, groupe 3, groupe 4, etc. On peut aller jusqu'à 32 groupes. J'ouvre la fenêtre d'entrée et je vois que je fais rentrer le niveau de manière identique sur tous les loopers. Et ça concerne donc mes micros de bandoneon. Micro main gauche, micro main droite. Tout rentre dans les loopers. Pour rappel, les loopers sont stéréo, donc je peux panoramiquer mes micros si je le souhaite. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un corpus et je vais le mettre dans un insert. Mais le corpus, c'est un insert qui ne traite aucunement le son. Donc je vais le mettre dans un slot d'insert ici en track 10 qu'on utilise un peu moins que les autres. Donc pour ce faire, je vais rajouter un slot d'insert ici. Je viens dans insert slot et ici, je dis track 10. Et d'emblée, puisque je suis susceptible de rajouter un autre corpus à un moment donné, je vais mettre un deuxième slot. Voilà. Pour l'instant, j'en fais pas plus. Je reviens dans Logiloop et vous voyez que maintenant, Logiloop a rajouté deux slots d'insert. Ici, j'utilise le premier en insérant corpus. En insérant corpus dedans. Voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette fenêtre. Je fais un petit zoom pour le mettre à la même taille que les loopers. Et ce corpus, je vais lui dire qu'il s'intéresse du groupe 1 au groupe 4. Donc vous voyez, ici, on a 4 groupes. Et de manière très simple, ici, on dit le groupe actif. Je peux me déplacer dans les groupes. Vous voyez que corpus prend la couleur du groupe actif. Là, c'est le groupe 1. Si je fais record, vous voyez que j'enregistre dans le looper qui est dans le groupe 1. D'accord? Si j'ai deux loopers, voire trois loopers en groupe 1, record dans corpus va recorder dans tous les loopers qui sont en groupe 1. Donc ça, pour rappel, c'est quelque chose qui peut vous permettre de travailler en orchestre lorsque vous voulez enregistrer plusieurs micros, plusieurs musiciens ou des instruments complexes comme des percussions et que vous avez plusieurs micros qui doivent être live loopés en synchronisation. Vous allez utiliser cette fonctionnalité-là, le fait de mettre plusieurs loopers dans un même groupe. Si je suis en enregistrement, je peux enregistrer une boucle, puis passer au suivant et automatiquement Corpus va passer au second groupe. Je baisse un peu le niveau. Il passe en second groupe et fait une boucle qui fait une taille différente. Puis je peux passer au troisième. Je peux même revenir au précédent. Encore au précédent. Je peux revenir au quatrième, etc. Ainsi de suite. Un double clic sur Clear va effacer toutes les boucles. Un simple clic sur Clear va effacer la boucle actuelle. Donc, pour que ce soit intéressant, on va configurer Corpus de telle sorte qu'il est commandé par un pédalier MIDI. Donc, j'ouvre les commandes, je vais dans MIDI, je vais dans Contrôle Insert, par note, et j'active l'ensemble des commandes, si ce n'est déjà fait. J'active quelques commandes particulières sur les pistes de la track 10, puisque mon corpus il est en track 10 et en insert 1,
sur l'insert 1 et je choisis les commandes 1, 9, 8, 7 qui sont respectivement, si je vais dans l'aide, 1 c'est record, 9 c'est next group, pardon, 8 c'est previous group et 7 c'est clear. Voilà. Je choisis mon pédalier, puis le canal MIDI, puis j'affecte les touches, par exemple si je veux réaffecter le record. Vous voyez, c'est un simple clic sur le bouton et c'est en auto-learn, c'est plus simple. Voilà, une fois qu'on a fini cette configuration, on quitte les préférences. Là, je vais mettre l'enregistreur de sortie en action et je vais enregistrer toutes les boucles qui ont un looper, donc sauf le 6, voilà, j'ai pas besoin du métronome pour l'instant. Et voilà, je vais faire un nouveau preset que je vais appeler 4 loopers, 4 groupes, un corpus par exemple. Voilà, et j'aurai mémorisé en même temps mes réglages de l'enregistreur de sortie. Voilà, je lance l'enregistrement et puis je vais vous faire une petite démonstration avec quelques boucles complètement asynchrones. Alors, comme nous sommes sur des canaux séparés, nous allons pouvoir faire des panoramiques spécifiques sur nos boucles. Voilà. Et nous allons pouvoir faire, par exemple, un mute. Hop, c'est un peu radical. Un mute. Ou bien un auto-fade. Alors l'autofade ici, je l'ai configuré là, et j'ai dit pour un simple clic, la durée de fade est de 6 secondes. Pour un double clic, la durée de fade serait par exemple de 300 millisecondes, mais pour être de 20 secondes, c'est à votre choix. Et il est important de préciser que les réglages de préférence qui se trouvent ici sont mémorisés dans le preset. De telle sorte que vous pouvez, pour différents morceaux, différentes mémoires de scène, vous pourrez avoir des réglages d'autofade de différentes longueurs. Ici, par exemple, sur le simple clic, je vais le mettre à 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde, de telle sorte que la réouverture qui se fait par définition par simple clic va être rapide. Et puis, je vais pouvoir dire que une sortie en double clic serait de 5 secondes. Voilà, donc je réouvre. Vous voyez qu'en une seconde, on a tout le son. Double clic. Et là, j'ai une sortie en 5 secondes. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez entendre une seule piste de looper. J'ouvrez. Puis une note. Puis vous voulez faire un auto-fade. Là, il va faire un autofade sur seulement les boucles qui sont déjà ouvertes, qui sont encore ouvertes. Celles qui sont déjà fermées ne sont pas modifiées. De la même manière, si vous ouvrez des boucles, Mutol va fermer celles qui sont ouvertes. Voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il si je veux conserver, par exemple, le contenu de cette boucle? Je vais pouvoir sortir ce groupe, ce looper de corpus. Et vous voyez maintenant que lorsque je suis en 1, le prochain c'est le 2 et le précédent c'est le 4. On est d'accord. Mais lorsque je suis en 2, le prochain c'est le 4. Ça veut dire que le 3 n'existe plus et corpus le sait déjà. De telle sorte que maintenant, si je veux, je peux conserver la boucle 3. Alors du coup, elle n'est plus non plus asservie au mute. Et je peux effacer les autres, par exemple. Par exemple, ou bien je peux enregistrer autre chose.
Et vous voyez que celle qui était en 3 au départ n'est plus du tout affectée, mais je peux la remettre lorsque je souhaite en 3 et faire un mute. Alors, évidemment, cette fonction, elle est intéressante, mais pas forcément fonctionnelle. C'est pas évident d'aller à la souris sur ce type de réglage pendant un concert. Donc, ce que je propose, c'est de configurer la console MIDI pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais retourner dans les préférences. Donc, j'ai configuré mes réglages MIDI pour commander à la fois la commande 10 de chaque looper, c'est-à-dire exclude groupe, et la commande 12, c'est-à-dire exclude speed. Voilà, et j'ai configuré ça en MIDI. J'ai bien indiqué mon appareil pour qu'il fasse un retour. Là maintenant, si je change la vitesse, alors je vais allumer l'enregistreur. Si je change la vitesse d'exécution de mes boucles, bon, je mets des choses faciles, plus 12, moins 12, voilà. Vous voyez qu'ici, les voyants sont allumés pour m'indiquer que le changement de vitesse a eu lieu. Si je fais lire, par exemple, la boucle 1, vous voyez qu'elle est à une vitesse divisée par 2. Mais si j'appuie sur le bouton, je peux revenir et ressortir. De la même manière pour tous les autres. Donc ça, ça va être intéressant si vous voulez faire des bourdons. Et de la même manière, vous pouvez enlever les loopers des groupes. Voilà, tout ça est relativement simple et surtout c'est très fonctionnel puisque vous pouvez le configurer sur une console externe. On va aller un tout petit peu plus loin dans la configuration de la console pour que ce soit pleinement fonctionnel. J'arrête l'enregistreur et puis je retourne dans la console et là je vais m'intéresser au volume et je vais activer les volumes et je vais m'intéresser au volume des effets. Je vais dire que tout ça c'est sur la même console. Voilà, comme ça je fais simple. A priori il n'y aura pas de conflit. Je peux maintenant doser mes réglages. Je peux doser tous les réglages de mes boucles. Et surtout, ce que vous notez, c'est qu'il y a le feedback. Voilà, ça c'est très important. Donc si je sauve mon réglage et que j'en fais un autre qui s'appelle bis, par exemple, et que lui, je lui mets des réglages de volume différents, que je sauve, vous verrez que je peux donc passer de l'un à l'autre très facilement, et même ceux qui connaissent bien le Gayloop savent qu'on peut mettre une interpolation entre le passage d'un preset à l'autre. Voilà, et donc on peut aller tranquillement d'un niveau de réglage à l'autre. Un corpus, c'est bien, mais on pourrait très bien dire que nous allons mettre un second corpus. Je rallume l'enregistrement, je mets ce corpus. Alors pour l'instant, il nous dit que c'est muté parce qu'il est sur 1 et 2, et celui-ci est sur 1 et 2. Là, je vais passer sur 1 et 2, et là, je vais passer sur 3 et 4. Vous voyez maintenant que j'ai deux corpus qui pilotent deux groupes, enfin, qui pilotent quatre groupes de loopers, mais
en deux espaces. De la même manière, je vais pouvoir configurer le deuxième corpus sur un second pédalier. Donc je le fais. Et maintenant, j'ai mon deuxième pédalier qui sait piloter un groupe et mon premier pédalier qui sait piloter l'autre groupe. Je peux donc mettre un groupe en enregistrement et puis l'autre groupe en enregistrement. Alors, je redémarre l'enregistreur et vous voyez que je peux... Alors c'est très fonctionnel puisque ça vous permet, vous pouvez être plusieurs musiciens sur scène et avoir chacun votre pédalier et votre corpus par exemple. Vous pouvez avoir plusieurs corpus pour un musicien. Vous pouvez même avoir des corpus qui se superposent. Celui-ci par exemple fait tout le tour. Donc lui il s'occupe de 1, 2, 3, 4. Si je fais record dans le corpus qui s'occupe de 1, 2, 3, 4, le second corpus me dit que effectivement le groupe 1 est en record puisqu'il est concerné et vous pourrez arrêter le record sur l'autre corpus. Alors quel est l'intérêt d'avoir deux corpus avec des groupes différents? C'est que vous pouvez avoir, j'enregistre ici, alors je le remets en vitesse normale et j'enregistre plusieurs choses sur mes corpus. Alors, donc ici, si je fais un mutol, je n'ai muté que deux. Ici, si je fais un mutol, je mute tout le monde. De la même manière, je peux faire un autofade all ici. Et ici, un autofade. Donc je peux avoir des autofades qui se croisent. Alors ça, c'est très pratique pour des boucles qui seraient asynchrones. On va aller un peu plus loin et on va passer en boucle synchrone. Donc là, je fais au plus simple, je me mets un gabarit de 4 bits avec un lancement sur le premier temps du métronome. Vous pourrez regarder le tuto qui concerne le looper, je l'ai plutôt bien expliqué. Donc quand vous êtes en auto-start slave, ça veut dire que dans la boucle principale, vous pouvez calculer le BPM automatiquement. Mais si vous mettez un simple métronome on, vous pouvez avoir un BPM tout simple. Voilà, donc là, je mets un clic. Et puis ici, je vais faire que mon premier corpus, il s'occupe de tous les loopers. Donc là, observez bien ce qui va se passer. Quand je vais demander le groupe suivant, le looper qui est en cours d'enregistrement va terminer les mesures restantes, la mesure restante, et va passer au groupe suivant. Donc, démonstration. Voilà, donc ici, nous avons enregistré quatre boucles qui se régénéraient automatiquement, qui étaient synchronisées sur le métronome, et je n'ai pas à me soucier du gabarit, puisque c'est la synchronisation des loopers qui la gère. Alors, je vous montre la chose plus lentement, peut-être pour bien se rendre compte.
108 ppm par exemple. Et puis là, je vais faire un premier rec. Vous voyez que c'est vert, puis ça commence à enregistrer. Puis je fais next, il finit la mesure. Et quand je fais next, il va attendre la fin de la mesure. Et ici, si j'attends deux tours, hop, il fait deux tours. Et là, je dis fin de mesure. Et à la suivante, je vais pouvoir laisser filer un tour, si je veux, et faire précédent, par exemple. Je pourrais dire aussi précédent. Voilà. Là, je fais deux mesures, trois mesures, et puis je passe à la suivante, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, vous avez quatre loopers qui sont dans quatre groupes, qui sont synchrones, mais gérés de manière complètement indépendante. Si je reviens sur deux pédaliers, deux corpus. Donc là, vous voyez que deux musiciens pourraient travailler ensemble, indépendamment, sur le même looper, ça c'est intéressant, en étant synchrone et asynchrone. Je peux très bien dire que celui-ci, je l'enlève de la synchronisation. Et ici, donc, j'aurai un looper, un corpus qui est totalement libre, c'est celui-ci. Donc lui, il a des boucles de la longueur qu'il veut. Alors que l'autre est bien sur le métronome. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, vous pouvez y compris vous amuser à avoir quelques groupes sur le métronome, quelques groupes asynchrones dans les corpus, mais là ça devient un peu compliqué à gérer. Alors vous pouvez aller de 1 à 32 groupes, donc vous pouvez utiliser quasiment autant de loopers qu'il y a de slots d'insert dans l'Ogiloop. Et après, ça posera des questions de routing, c'est sûr. Mais voilà, vous pouvez empiler autant de boucles que vous le souhaitez. Et si vous les mettez telles que je les ai mises là, dans des slots qui sont sur des pistes d'auxiliaires séparées, vous pouvez avoir toutes vos boucles séparées à l'utilisation après. Voilà, je crois que j'ai presque fait le tour. Je vous montre juste rapidement le mode AutoNext voilà, que j'active. Et vous voyez qu'en AutoNext, quand je fais un record, il passe au groupe suivant. Donc là, je fais un record. Hop. Je n'ai rien d'autre à faire. Je refais rec et il passe au suivant. Là. Ce qui ne désactive pas le fait de passer au suivant à la main ou au précédent, mais dès que je relâcherai le record, ça passera au suivant. Voilà, ça c'est le mode autorec, alors qui peut être intéressant dans certains cas. Voilà, et puis en mode autorec, vous pouvez choisir si vous êtes en up ou down, c'est-à-dire que par défaut on est en up, mais si on est en down, ça veut dire que il va remonter en partant du groupe 4, etc., etc. Et si vous remettez en up, il va recommencer à descendre. Voilà, donc ça c'est pour des choses qui seraient un peu spécifiques. Voilà, c'était donc une démonstration de corpus, l'utilisation de corpus, le tout nouveau système de live looping dans Logiloop. J'espère que ça trouvera un intérêt dans votre musique. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions sur le forum, allez aussi faire un tour du côté de la documentation
à laquelle vous avez accès en cliquant sur le petit point d'interrogation. N'hésitez pas non plus à en parler à vos amis qui pourraient être intéressés par le Gallup et Corpus. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.